à cet objectif de terminer dauphin du PSG. Hier à Toulouse, ils ont offert un condensé de leur saison, une première partie compliquée et une deuxième bien plus rythmée, terminée au sprint. Ouais, un bon petit coup de gourdin, c'est vrai. Ouais, le gourdin lyonnais. Avant cette accélération finale, l'OL a été menée par le TFC. Ses remplaçants ont ensuite joué un grand rôle. Les joueurs qui sont venus du banc ont été décisifs. Je crois que c'est certainement 10 points de plus gagnés dans la saison grâce à ça. Et il faut le souligner parce que c'est toujours difficile quand on joue pas, quand on joue peu, d'avoir l'état d'esprit qu'ont tous ceux qui rentrent en cours de match. Clément Grenier notamment, égalisateur sur coup franc. Lui et Nabil Fekir sont venus épauler la casette, buteur un peu plus tard. Et malgré une baisse de concentration dans la foulée, les Gaunes ont eu le dernier mot dans la ville rose par Corentin Tolisso. Un joueur qui symbolise aussi cette OL 2015-2016 à deux visages, le second bien plus fidèle à sa qualité. Reste encore trois matchs à ne pas lâcher. C'est une affaire de mental, ça. Ça s'achète pas.